Eh bien, salut à tous les amis, c'est Warchat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 du Let's Play de Modern Warfare. Debout. Adir, c'est toi? Oui, laisse-moi te voir. Ok. Alors là, on incarne Farah qui est actuellement dans une sorte de prison avec son frère juste en face. Bon, très bien. Ça fait combien de temps que t'es à l'isolement? 10 jours. T'es toute pâle. Sans boire ni manger. Farah. C'est bon. Je peux gérer ça. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça, tous les deux? Ils servent de toi. Pour que je craque. Faudra qu'ils me tuent pour ça. Non, Adir. Il faut que tu vives. Regarde. J'ai pris une clé. Pourquoi? On va trouver Farah. Tiens, prends-la. Attrape. C'est bon. Bien. Cache-la. Le général Barkov arrive. Il est au courant pour les messages. Il sait que c'est toi, Karim. On verra. Ok, on fait un style de rien. Tiens, une réunion de famille. Monsieur. Très touchant. Tiens. Tu veux que tout s'arrête? Dis-moi la vérité. Quoi donc? Emmenez-le à l'entrepôt. Tu veux, de toute façon, c'est tout ce qu'il mérite. Hein. Celle-là, elle est pour moi. Mon enculé de frère, là. Ouvre. Ah. Touche pas, espèce de sale chien. J'espère que t'as apprécié la petite visite de ton frère. C'était sans doute la dernière. Frère. Silence, va te mettre dans le coin. Ok. Farah, sans toi, allez! Je t'ai dégagé. T'es débile ou quoi? Ok, je reste ici. Ne me regarde pas, okay. Farah. Ok, je t'en regarde pas. Tous tes grands projets d'évasion, tu vas bientôt les oublier. Attends. Regarde-moi. Ok, c'est bon, je peux te regarder? Va te faire enculer. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, te passe en... Il fait une chaleur infernale dans ton toit. Tu dois mourir de soif. T'en veux? Putain, faut vraiment que je joue le jeu. Y'en a plus. On va te trouver de l'eau. La porte! Suis-moi. T'as quoi, toi? Entre. Qu'est-ce qu'il va me faire? Oh putain, la chaise. Assieds-toi, Farah. Je crois qu'il va y avoir une séquence de torture là. Tu ne peux pas t'échapper, Farah. Et personne ne viendra te sauver. C'est moi qui contrôle ta vie. Et je peux la rendre plus agréable. Bon, qu'est-ce que tu sais sur ce commandant Karim et sur les messages interceptés? Karim est mort, je suis Karim, va chier. Oula. Réponds-moi. On va dire Karim est mort. Karim est mort. Tu mens, arrête de le protéger. Et toi avec. J'ai été très patient, maintenant c'est fini. Reste conscient que tu pourras revoir ton frère une dernière fois. Il va te donner à boire. Essaie de respirer. Respire, Farah, tu vas y arriver. C'est ça. Je croyais que tu voulais voir ton frère. Fais un effort. Encore. Voilà. Il faut que tu respires, Farah. Ne t'épanouis pas. Je suis déçu, Farah. Je répète. Qui est Karim? Putain. Je sais pas, moi. Allez.
Les messages viennent de moi. C'est moi, Karim. Non, Karim est ton chef. Tu n'es qu'une messagère. J'ai trouvé une de tes sœurs. J'ai pas parlé, Farah. N'en fais pas, Azale. Silence. Sa vie dépend de toi, Farah. Reste consciente, elle vit, sinon elle meurt. T'as compris? Cette fois, je vais y aller plus fort. Va par là, Farah! Attends. J'aimerais que les choses soient claires. C'est moi qui commande ici. Je t'ai laissé une chance de sauver une vie. Maintenant, je vais te montrer comment on la reprend. Non, elle a rien fait. Non, pitié! Non! Nettoyez ça. Qu'est-ce que tu me fais faire? Hein? En réalité, de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que je pouvais pas lui dire quoi que ce soit. Ouais. Tu dois avoir faim, Farah. Hmm? Mange. Après, on parle. Je vais me le jeter, ce bâtard. Ah, tu crois qu'on est amis? Hein? Tu crois que tu peux me battre? Hein? Fini de jouer! Ton frère a volé une clé qui m'appartient. Elle est où? Vous l'avez perdue? Il en manque une, mais nous avons les autres. Elle ouvre quoi, cette clé? Tu te crois maligne, pas vrai? Karim. Oui, je sais. Je l'ai toujours su. Bon. Où se trouve la clé que ton frère Adir m'a volée? C'est moi qui l'ai. Quelle clé? C'est Azabeth qui l'avait. Je t'écoute. C'est Azabeth qui l'avait. Tu dis rien? On va changer ça. Ça, ça pique. Qu'est-ce qu'il fait? Ce pays est un vrai vivier de terroristes. Je suis là pour faire régner la loi et l'ordre sur ce pays. Ce n'est pas des terroristes qui m'en empêcheront. Ta gueule, toi. Pas de bâtard. Je protégerai la Russie. Ah. Ah. Silence. Putain, c'est quoi ce bordel? Tuez tous les prisonniers, enfermez-les dans l'entrepôt et mettez le feu! Tu complotes dans l'ombre! Tu te bats pour des miettes! Putain, je vais te buter, lui. Alors attends. C'est pas trop serré. Ok. Qu'est-ce que je fais? Allô? Bon, je vais appuyer un peu sur tous les boutons là parce que je sais pas du tout ce que je dois faire. Bien sûr, ça va me servir. Ok. Ça y est. Très bien. Hop, je pense que c'est là où que ça se passe. Ah non, tout simplement ici en fait. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Des pierres. Ok, on a des pierres. Ensuite. Je pense que ça, ça va être pour détourner l'ennemi. Hein. Attends, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Trouver une issue, Farah. Ici, peut-être. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je peux me servir de ces pierres. Ah, qu'est-ce que tu fais? Hey, Agitita,
général. Ça entre pas. Il faut que j'entre. Très bien. Je peux l'utiliser pour escalader. Alors, pour escalader quoi aussi Ah oui, d'accord. Donc c'est moi qui contrôle les billes. Ok, bon, on a réussi à le faire finalement. Bonjour, messieurs. Ok, on va peut-être bouger. Передвинул стул. Окей. Твою мать, она сбежала! Орков убил пёс! У меня! Это же твоя секция! Чёрт, найди её и убей! Ааа! Voilà, prends ta part, toi. Ok, normalement il devrait arriver là. Найди девчонку! Ты меня слышишь? Черт! Что, достало тебя? Вот черт! Si t'es là, y'a qu'une seule issue, et je te laisserai pas passer. Tu ferais mieux de te rendre. Скажись чисто, но я проверю еще. Putain, j'ai chaud. Qu'est-ce qu'il fait lui? Allez, dégage. Allez, il va pas vouloir partir, je crois. Ok, allez. Yes, c'est bon. Что? C'est un cancer, ce mec. Bon, première vue, les mecs. J'arrive, mes sœurs. À première vue, ils entendent pas les bruits de détonation. Ça marche. Par ici, mes sœurs. Tu t'es enfui. J'avais confiance. Allez, mes sœurs, on y va. Les armes sont là. Ok, yes. Merci, Nadia. Barkov a tué Azadé là-bas. Oui, il va le payer. Les gardes sont de retour. Allez, on va les surprendre. Comment? Comme je vous l'ai dit, viser et tirer jusqu'à ce qu'ils tombent. Fermez les autres dans l'entrepôt. Trouvons-les okay. Avant qu'ils tuent tout le monde. Vous êtes toutes très courageuses. Allez. Merci, Karim. Il y en a un à la porte. Oh non. Je les vois. Oula. Grenade. Ils se rapprochent. Les voilà. Couvrez-moi. Ils se cachent très bien. Les soldats. Ok. Un hélico. Parfois. C'est qu'un chien.
Dépêchons-nous de libérer les autres avant qu'il soit trop tard. Suivez-moi, okay, mes sœurs. Ok, 130 mètres, ça marche. Gardez, en haut de la tour. Un sniper. Il protège l'entrepôt. C'est l'arme qui détient les prisonniers. On y va. Suivez. Ok, le sniper est mal là. Là, reste le bâtiment. Ok. Ok, ça c'est fait. Et continuez à tirer des roquettes. Yes, avec un viseur. Ok, ça va être beaucoup mieux comme ça. Alors. Il tire de où lui ça? Attention, sniper! Les snipers, on peut pas les tuer tout de suite. Tu continues à tirer des roquettes. Des soldats, ils se rapprochent. Alors lui il me touche mais son laser il part un peu dans tous les sens. C'est toi, toi, qu'est-ce que t'as? Au sud, feu! Attendez, coupe-toi! Oula, 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 oula! Ennemi derrière la barrière! Ouh! On va se rapproche! Couvrez-moi! Il y en a un près des caisses! Ok, Au sud, feu! Attendez qu'ils se montent! Allez, on y va! Oui, là, je sens le piège, hein.
rentrer par ici, Karim. Les autres doivent être à l'intérieur. Putain, je suis pas coupé, c'est marrant. La cible à l'autre tirez pas. Qui est le commandant Karim? C'est moi, Karim. On a reçu vos messages. Lieutenant John Price, où sont les autres? Putain, il est... Là-dedans, droit devant. Eh, il était jeune à cette époque-là. Restez à côté. Lieutenant, en plus, hein, il était mort, il était pas encore capitaine, non? J'envoie. Par contre, on notera que les mecs, ils sont en masque à gaz. Adir! Adir! C'est l'usine de gaz. Il essaie de brûler l'épreuve. Et les prisonniers! On va ouvrir la porte. Reculez! Go! C'est bon! Je peux pas! C'est verrouillé! Dépiche! Force! Adir! Continue! Allez! Ok, soufflez bien. Rassemblez les gens et le matériel. Sacrée mission quand même, parce que... On s'en va. Là, c'était compliqué. Allez au nord, évitez l'autoroute. Bravo 6 à Cobalt 4, confirmez votre position. 10 minutes. Ok, restez dans le coin. Dépêchez, Barkov va venir récupérer ses morts. Yalla, attends-nous. Oui, Farah. Vous savez qui va vous le faire payer. C'est eux qui vont payer. On sera prêts. Nos hommes ont nettoyé la route au nord. Vous pouvez y camper sans risque. Merci. La révolution commence, ma sœur. C'est la guerre qui commence, mon frère. Il y a guerre et guerre. Rappelez-vous. Bravo 6, décolle dans 2 minutes. Années de guerre civile. Cette guerre n'a rien de civil. Adir s'est entraîné. Kidnapper, non, c'est la même chose. Il a livré le gaz en Russie. Oui, mais avec l'aide d'Al-Qatala. Il a le réseau et la main-d'œuvre. On peut pas lui en vouloir, si? Officieusement, non. Mais ça dépasse Adir maintenant. On a 2 options. Quoi, prévenir Moscou? Ou laisser la mère patrie prise à son propre piège. Beaucoup d'innocents vont mourir. Aux mains d'un agent occidental. Bon, ok. Allons à l'essentiel. Vous suggérez quoi? Un petit voyage d'affaires. Autorisé? Non. Avec qui? De vieux camarades. Et le sergent? Il est prêt. Je peux vous faire entrer, mais après, débrouillez-vous. Et aucune arme étrangère. Laissez-moi faire. Ok. Une vue magnifique, Nikolai. C'était la capitale avant Moscou. Le bon vieux temps. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime et le petit commentaire qui fait plaisir. Sur ce, que dire sur cette mission? Parce que là, franchement, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu pas mal de petits problèmes. En tout cas, bon, on a quand même réussi à le faire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Ça encourage en tout cas. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la fois prochaine pour l'épisode numéro 7. Salut à tous.